Bon, je remercie. On va aller voir c'est qui votre prochain amour. Si ça ne résonne pas, allez voir votre signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Sinon, regardez mes titres. J'ai un grand répertoire de vidéos passées. Puis comment je fais mes tirages, c'est que quand vous l'écoutez, c'est là qu'il faut l'entendre. Fait que gênez-vous pas d'aller voir des vidéos plus vieux. Mais si vous aimez pas comment je tire, puis avec mon accent, je vais pas changer. Je vais rien faire pour changer. Ça se peut même que je fasse plus exprès. Fait que ça sert à rien de laisser des commentaires. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais vous bloquer. Faut que je le dise. 2023. C'est intense. Bref, pas grave. On est hot, Verseau, oui. Et Verseau. On est hot. On est hot. Guérison. Guérison. Il y a eu une grande période de guérison. J'ai comme l'impression que le collectif à qui je m'adresse en ce moment, c'est des personnes soit qui ont été célibataires pendant un bout, sinon qui ont fait une guérison en étant dans un couple qui était peut-être pas pour eux. Ça fait vraiment guérison par la leçon. Puis quand je dis pas pour eux, là, il y a vraiment... le rejet, c'est de la protection. Mm-hmm. Vous êtes vraiment dans une phase où on protège. Puis, tu sais, protéger, c'est pas négatif puis positif. C'est vraiment peut-être attendre la bonne personne, peut-être dire, je vais attendre... Sans dire attendre. Si ça arrive, ça arrivera. Tu sais, il y a quelque chose d'un peu... j'embarque plus dans les automatismes, j'embarque plus dans les relations qui servent à rien. Puis je pense que c'est pas juste amoureux, là. Il y a vraiment eu une guérison. Il y a vraiment eu un nouveau regard sur qui fait partie de l'équipe puis qui en fait pas partie. Puis je pense que cet apprentissage-là a fait vraiment... c'est comme s'il y a eu un saut de temps, de ligne de temps. Pour les personnes qui suivent ça, là. Sinon, ça veut dire que à place de... C'est comme si vous allez changer le cycle. Un changement de garde, là. Changer le cycle de toujours avoir peut-être les mêmes leçons, de toujours avoir le même genre de personnes dans vos vies. Mais là, c'est comme, OK, non. Il y a eu vraiment une période de, presque recluse. D'ermitage. Puis... c'est comme si pendant cette période-là, peut-être qu'il y en a eu quelques attentes, peut-être quelques tentatives, quelques essais, puis que dans le fond, avec le recul, fait comme non, il y avait une protection là-dedans, parce qu'encore une fois, je m'embarquais là-dedans. Tu sais, il y avait comme un... Puis on dirait qu'une fois que vous avez compris ça, puis vous l'avez vu, parce que Verseau, allons, on est visionnaire. On est visionnaire, puis on le voit. Tu sais, c'est vraiment visionnaire. On le voit, puis on voit qu'est-ce qui s'en vient d'avance. Puis je pense que vous le savez que qu'est-ce qui s'en vient, c'est vraiment quelque chose de grandir ensemble. À la place de guérir tout seul, c'est grandir ensemble. Hey, 4... Bon, 21, ça fait trop, là. 44. What? Quelque chose de très solide, quelque chose de très... une belle fondation. C'est comme si vous avez changé de fondation. Sinon, vous avez changé le regard que vous portez sur votre vie, sur les personnes qui en font partie. Puis j'ai comme un feeling qu'il y a eu un petit ménage. Il y a eu un petit ménage. J'ai ma feuille parce que je suis sénile, mais c'est pas grave. Donc, on va aller voir c'est qui cette personne-là qui s'en vient. C'est qui le prochain amour? C'est qui? L'as de coupe, ça commence bien. 5 de coupe, un petit peu moins cute. L'étoile, encore de guérison, et c'est notre carte. Il y a comme une vibe que pour certains, c'est un retour. Certains, tout le monde est bienvenu ici. Ils, elles, eux, vous l'adaptez selon vos énergies. Moi, je te parle d'énergie, là. Pas de genre. Je veux pas avoir de commentaires là-dessus, parce que c'est sérieux. 2023. Si c'est pas quelqu'un que vous connaissez dans le 3D, c'est quelqu'un que vous connaissez dans le 5D, vie antérieure. C'est soit une vie, vous avez eu vraiment, si vous croyez à ça, des relations dans des vies antérieures, puis que ça n'aurait jamais fonctionné. Sinon, si ça avait été dans cette vie-ci, dans cette réincarnation-ci, vous voyez, vous avez vu en cette personne-là, vraiment, tu sais, le nouveau cycle que je parlais, c'est comme si vous avez fait comme, « Hey, c'est vraiment quelqu'un qui est différent de mon genre. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas en tout qu'est-ce que je regarde. » Nouveau cycle, nouvelle vibe, mais...
La rivière, c'est la mer. C'est tellement cute. C'est toutes des sirènes. C'est la mer, la rivière de larmes et de regrets et de remords et de oh my god, comment ça se fait, tu sais. Puis après ça, la guérison. Si c'est quelqu'un que vous connaissez pas, si c'est quelqu'un que vous connaissez clairement, c'est quelqu'un qui vous a laissé tomber. Ça fait vraiment ça. C'est quelqu'un qui a choisi autre chose. Quelqu'un d'autre, probablement. Ou que c'était impossible parce qu'il y avait une différence géographique ou tu sais, quelque chose comme ça. Mais sinon, hey, la guérison avec sa table. Juste voir. C'est-tu qu'il fallait voir la personne vraiment pour qui elle était? Ou sinon, voir la relation amoureuse pour qui elle était? Créer son Verseau. On est l'élément le plus intelligent et le plus aérien. C'est Verseau, c'est vraiment le top. Puis, veux pas, comment est-ce que je lis ici? Peut-être que c'est de revisiter qu'est-ce que ça veut dire pour vous avoir quelqu'un dans votre vie. C'est pas de dire que vous n'aurez pas, c'est dire, on dirait que cette personne-là déclenche ce questionnement-là ou l'avait déclenché si vous le connaissiez d'avance. Chevalier de Pentacle avec le magicien, par rapport à la guérison, là, ouf! Tu sais, le healing, là, qui était la guérison de tantôt, là, que vous avez faite déjà vous, là. Il y a vraiment l'aspect du temps. Chevalier de Pentacle, c'est mon chevalier préféré parce que c'est le seul qui finit la course. C'est le seul qui se rend à son but, mais fuck que ça y prend du temps. Fait que c'est-tu ça? C'est-tu de dire que la personne si vous la connaissez, ça prend du temps. La guérison a pris du temps. C'est pas juste la guérison de vous par rapport à vous, mais la guérison de peut-être par rapport à cette personne-là. Ça a pris du temps. De voir aussi le voile d'illusion. Le voile d'illusion est tombé. De se rendre compte qu'il y a plus d'atouts dans la vie que ça. Oh, c'est le ménage que je disais au début, là, avec le ça ici, là, que le rejet, c'est de la protection. Oh, c'est-tu ça? Ça a été un rejet parce que c'était impossible avec cette personne-là ou dans ce moment-là. Puis vous avez fait comme, OK, pourquoi est-ce que je suis allée voir quelqu'un vers qui clairement ça ne pouvait pas marcher ou que ça fitait pas ou qu'il y avait trop d'éléments, trop de roches dans nos rivières? Chevalier de Pentacle, ça a pris du temps. Puis le magicien. Le magicien, quand c'est nous, c'est super le fun, ça veut dire qu'on a les quatre as. Ça veut dire qu'on a les quatre ans sur notre table. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, des fois, pas tout le temps, mais ça peut vouloir dire aussi maître manifestateur en passant, parce que Verseau est hot, mais ça peut être aussi un voile d'illusion qui est tombé. Fait que c'est peut-être aussi nous, par rapport à nous, les Verseaux, que ça a pris du temps de guérir, de voir c'était quoi vraiment une relation amoureuse, puis qu'est-ce qu'on voulait, puis c'était qui cette personne-là, puis qu'est-ce qu'on veut, puis qu'est-ce qu'on veut pas. C'est quoi l'histoire? La 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 la! C'est quoi l'histoire en ces deux? L'ermite, le 10 d'épée. Wow! 4 de pentacle. Si c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un. Si c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un qui va. Nouveau cycle, là. 10 d'épée, c'est un nouveau cycle, c'est arrêter de s'auto-trahir, arrêter de trahir les autres, arrêter d'attendre. Il y a vraiment une attente. Ils sont toutes penchées par là, ils sont toutes penchées. Je sais pas, est-ce qu'on les voit? Les petites midames sont toutes penchées vers le passé, puis sont toutes tristes vers le passé. Quand dans le fond, qu'est-ce qui s'en vient? Ils regardent tout en avant, avec plus de puissance. Il faut le dire quand même, c'est quand même hot. Fait que l'histoire des deux. C'est comme décourageant, 3 d'épée! Oh my god! Fin de trahison, fin de. C'est une fin! Mais c'est là pareil. C'est ça qui est comme pas le fun. Puis l'ermite, ça fait vraiment passe de 8 de pentacle quand même. Jugement, c'est vraiment quelqu'un qui revient. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Scarlett? J'aimerais ça dire, ah, oh, c'est quelqu'un que tu as jamais. Sinon, c'est une énergie. Fait que regarde, l'énergie revient. Ça fait vraiment seconde chance à. Il fallait que l'autre personne passe à travers un. Puis les Verseaux aussi. Le 10 d'air puis le 3 d'air, c'est le 3 et le 10 d'épée. Il fallait passer à travers cette période-là. Il fallait passer à travers quelque chose de dur. Puis
faire une phase d'ermitage, comme j'ai dit au début. J'ai comme l'impression que l'autre personne aussi, parce que là, on parle pas juste, c'est pas juste un ou l'autre, c'est votre histoire, c'est vous deux ensemble. Fait qu'il y a eu vraiment une perte de contact pendant un certain temps. Tu vois, tu as le 8 de pentacle et le jugement. Jugement, c'est le retour. Retour énergétique ou retour physique, là, si vous connaissez déjà la personne. Puis le 8 de pentacle, ça peut être soit ma carte de l'artiste, soit que c'est 8 de pentacle avec la protection puis grandir, là. Ça fait vraiment commencer à investir là où ça compte. Arrêter d'investir sur des remords et des regrets sur quelqu'un peut-être qui arrivera jamais, puis commencer à investir sur soi et devenir le magicien avec les quatre pentacles, avec les quatre, je vais te le dire, Calis, les quatre as. Mais avec le 4 de Pentacle, par rapport à votre histoire, ça veut dire que encore du 4. C'était tout du 4, là, il y a encore du 4. C'est vraiment une fondation. C'est recommencer une nouvelle phase. Si vous ne connaissez pas, là, c'est quelqu'un que quand vous allez le rencontrer, vous allez faire comme ça. On va aller voir dans l'extension c'est quoi la rencontre, là, puis c'est quoi les. Clairement, c'est comme si vous vous reconnaissez. Il y a vraiment une énergie qui a déjà été dans votre présence. C'est une énergie qui a déjà été connectée à vous. Pas super facile. C'est pas. C'est comme pas facile. Si. Les hiérophants. Littéralement. Oh, ils sont belles ces cartes-là. Check! Il y a comme un fantôme. Un fantôme de chevreuil dans la forêt. Oh mon Dieu, on le voit vraiment bien. Ça, c'est une rivière. Avec du sang. Donc, il y a vraiment. Votre histoire, là, ça a commencé avec une. Ça a commencé avec une rupture ou un cœur brisé, garde calice. Et puis un retour après un certain temps de non-contact total. Et l'ermite, il faut le dire, c'est vraiment quelqu'un qui va chercher les réponses à l'intérieur puis qui va travailler sur soi. J'ai l'impression que c'est d'un bord puis de l'autre. Avec le jugement, c'est un retour qui revient. Puis le feeling que j'ai, c'est que quand le retour se fait, quand la personne revient dans votre vie ou vient dans votre vie, mais il y a déjà une énergie qui est déjà là, là. Je sais pas si on est prêt. D'un bord comme de l'autre. J'ai comme un feeling que le test, ça va être les balises. De vraiment dire comme voici qu'est-ce que je veux dans ma vie et je le mets dans le pratique. Et j'ai pas peur d'être peut-être. Ah, Verseau, on est tellement hot. Et on est tellement préconiseur. Non. On. Non. C'est quoi le mot? Je suis sénile, calice. T'sais, implanter des nouvelles lois, implanter des nouvelles manières de vivre, t'sais, ça fait ça. Puis si on lit littéralement, Hiérophant, c'est relation hyper sérieuse. Puis la relation va devenir sérieuse justement quand les balises vont être respectées d'un bord puis de l'autre. C'est les petits bébés qui. Ouais, je sais. Finch se couche dans son petit panier avec le rideau. Ils sautent, ouais. Cute. On va aller voir c'est quoi. Malgré qu'on a déjà parlé, mais bon, c'est quoi les hauts et les bas de la vie au quotidien, vous deux? Ça va être quoi comme votre relation, le monde? Bravo! Bravo! Oui, fin de cycle. Tant mieux. Tant mieux. Surtout par rapport au 10 et au 3 et au 10 de. Ouais, fin de cycle. Fait que c'est un nouveau cycle. Nouveau cycle. Avec plus d'avoir grandi. C'est comme si, quand vous êtes rencontrés, vous n'étiez pas dû pour être ensemble, mais que là, il y a l'énergie de dire comme, OK, là, c'est le temps qu'on essaye si on va être ensemble. Ça va marcher si vous vous respectez, roue de fortune. Le monde et la roue de fortune, tu peux pas passer à côté. C'est une relation que ça fait fucking flamme jumelle, là. Ça fait vraiment. Ouais. C'est de mettre au quotidien. De le mettre au quotidien. D'apprécier les bons moments. De pas faire comme tout le monde. C'est Verseau. Tu sais, Verseau, c'est pas faire comme tout le monde. C'est très avant-gardiste, c'est ce que je cherchais tantôt. C'est très avant-gardiste. C'est très pas comme les autres. Puis avec la fin du monde ici, ouais, j'ai dit la fin du monde ici, et la roue de fortune, c'est vraiment de prendre les forces de chacun, de bien les utiliser, puis les faiblesses de continuer à travailler dessus.
On va aller voir dans le genre de voir dans l'extension. My God, j'ai plein de decks. Fait qu'on va les faire un et l'autre, puis tout ça. Fait que les personnes qui veulent voir l'extension, c'est marqué joindre pour si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur les internets, ça va être dans ça va être marqué dans le descriptif. Lien pour extension, vous faites un copy-paste, ça vous amène au club d'Anouchka. Je vous souhaite bonne chance. Si on ne se voit pas, sinon on se revoit dans 2 semaines pour le mois d'août. On est rendu au mois d'août. Oh shit, man, que ça passe vite. Bref, bonne chance. Ouais, bye.